Salam alaikum, Mazul Fillaoun, bonjour. On dit que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise. Mais cela fait maintenant plus d'un demi-siècle que nous attendons que cette cruche se brise, que ce régime s'effondre, que ses propres turpitudes le mettent bas, que cessent enfin ses prédations et ses crimes. De plus en plus sûr de lui, au point de ne même pas chercher à sauver les apparences, ce régime n'en finit plus de transgresser toutes les règles, toutes les lois, y compris les siennes, tous les principes et jusqu'aux valeurs les plus sacrées de la nation. Il n'en a cure. Il ne craint plus ni le ridicule, ni un quelconque sursaut de ce peuple qu'il écrase et qu'il humilie tous les jours. Et malgré tous ses excès, tous ses abus, jusqu'à cet usage immodéré de l'image d'un président à qui il fait dire tout ce qu'il veut, alors que tout le monde sait qu'il ne dit plus rien, il continue de piller le pays, de le mener doucement et sûrement à la catastrophe et au chaos annoncé, sans être inquiété outre mesure. Deux politiciens, tous les deux jeunes, tous les deux emplis de fougue, même si leur profil et leur style sont très loin l'un de l'autre, ont défrayé la chronique la semaine passée. Ils ont tous deux été expulsés d'Algérie. Oui, vous avez bien entendu. Expulsés d'Algérie, de In Salah plus précisément, par des gens armés que ceux qui les utilisent qualifient de force de l'ordre. Ces deux jeunes politiciens ont donc été expulsés d'Algérie, parce que jusqu'à preuve du contraire, In Salah se trouve encore en Algérie. Celles que le régime qualifie de force de sécurité ont reçu l'ordre de les empêcher de rester à In Salah, de les en faire sortir et de leur intimer l'ordre de quitter la région mani militari, c'est nécessaire. Théoriquement, constitutionnellement, légalement et normalement, personne ni aucune institution ne peut interdire à un Algérien de se rendre à In Salah, d'y séjourner, d'y rencontrer ses compatriotes. Mais ce régime n'en a cure, comme je l'ai déjà dit. Il ne respecte même pas les lois qu'il a lui-même élaborées, ni les institutions de façade qu'il a érigées en autant de trompe-l'œil, d'artifices tapageurs. Il se comporte en terrain conquis, comme si le pays était sa colonie, comme si les hommes et les femmes qui le peuplent étaient sa chose, comme si les propres lois, ses propres lois, étaient des bidules réglable en fonction de ses humeurs du moment ou des injonctions qu'il reçoit de la part de ceux qui le protègent et l'imposent à la tête de ce malheureux pays. Ce régime fait donc ce qu'il veut sans se soucier de sauvegarder ne serait-ce que les apparences. Or, pour ce qui est de In Salah, il a été décidé d'isoler sa population, de la couper du reste du monde, y compris téléphoniquement, y compris de leurs autres compatriotes. Et c'est pour cela que le 24 février, le régime a sorti 40 000 policiers pour la seule ville d'Alger, pour empêcher les Algérois de soutenir leurs compatriotes d'In Salah. C'est pour cela qu'ils lâchent sur les revendications de cette population héroïque tous leurs experts et politiciens de service pour tenter de faire croire que ces appréhensions ne repose sur aucun fondement rationnel et que l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste ne représentent aucun danger pour l'environnement et la santé publique. C'est pour cela qu'il empêche d'autres Algériens de se rendre à In Salah parce qu'il veut réduire les contestataires au désespoir. Il veut les écraser psychologiquement, les convaincre qu'ils ne sont soutenus par personne. Et plus que cela, il lâche ses forces de sécurité contre eux pour les traiter comme s'ils étaient des sous-citoyens et même des sous-hommes, puisque des soudards incultes ont osé traiter
les merveilleux et admirables compatriotes de Insaleh de salle noire qu'ils leur ont craché au visage de retourner chez eux, au Niger et au Mali. Rachid Nkaz et Soufiane Gilali ont donc été expulsés d'Algérie pour avoir voulu se porter au secours de l'Algérie. Ils sont là avec nous aujourd'hui pour en parler. Aujourd'hui. El-Watan. Insaleh entre répression, diversion et incompréhension des enjeux par Moussa Naït Amara. TSA. Insaleh, malgré l'ultimatum de l'armée, les anti-gaz de schiste refusent de lever le camp. Par Hajar Gnanfa. Observatoire des multinationales. Gaz de schiste, les Algériens se mobilisent contre le régime et l'ingérence des multinationales pétrolières. Par Olivier Petitjean, Sophie Chapelle. Soufiane Gilali, bonjour, merci d'être avec nous. C'est avec grand plaisir, Jamaldine. Merci. Alors, vous êtes le dernier en date à avoir été expulsé d'Insaleh. Si vous nous racontiez un peu les circonstances, comment on vous a bloqué dans des barrages, comment les gens d'Insaleh sont venus vous chercher, ils ont forcé les barrages, comment on vous a fait rentrer à Insaleh et comment vous l'avez quitté. Oui, absolument. En fait, ce n'est pas d'une expulsion dont il s'agit, mais de barrages multiples pour m'empêcher d'arriver à Insaleh qui ont été dressés sur le parcours. Nous avions quitté Adrar tôt le matin, le samedi, mais il a fallu traverser les 400 kilomètres de désert, mais avec plusieurs barrages. À chaque fois, on nous demandait les documents d'identité, on nous gardait pour une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis arrivé à 60 kilomètres de Insaleh, à Inrar exactement, là, le barrage de gendarmerie a expliqué que ce n'était pas possible de continuer plus loin. Le responsable s'est présenté à moi et m'a dit que j'étais indésirable à Insaleh. Il m'a demandé si j'étais porteur d'une autorisation. Quand j'ai demandé de quoi il s'agissait et que j'étais en territoire algérien, il m'a signifié que ma présence était un danger pour eux, m'a-t-il dit, un danger pour Insaleh, et donc il ne pouvait me permettre d'aller plus loin. Mais comme nous étions en contact avec les citoyens de Insaleh, ceux-ci se sont vite empressés de prendre véhicules et citoyens. Ils sont venus à 60 kilomètres d'Insaleh pour nous récupérer. Et je pense que l'information sur ce déferlement de voitures a fait que finalement les forces de la gendarmerie nous ont libérés, nous ont permis de progresser jusqu'à Insaleh. Et est-ce que vous êtes parti de votre plein gré ou est-ce qu'ils vous ont contraint d'une manière ou d'une autre de vous en aller? Non, je suis reparti de plein gré. Là, je n'ai plus trouvé d'obstacle sur le retour. Je crois que pour eux, c'était un bon débarras. Il faut dire que la situation était tellement difficile, les gens tellement excités par le fait de voir effondrer le cloisonnement, la fermeture, l'isolement de Insaleh. Je ne voulais pas perdurer, rester là-bas. Ça aurait pu être compris comme une façon de vouloir instrumentaliser la manifestation. Restez avec nous, M. Gilali. Rachid Nkaz, merci d'être avec nous. Salam alaikum, mazal salam. Merci pour votre invitation. Mes salutations à vous, monsieur Jamaldine Benchidouf, et à notre très cher Soufiane Gilali, que je trouve extrêmement courageux. Merci beaucoup. Merci, Rachid. Rachid Nkaz, vous, en ce qui vous concerne, il n'y a pas photo. On vous a bel et bien expulsé. Ah oui, il n'y a pas d'autre terme. J'ai été expulsé de Insaleh 15 heures après avoir été accueilli avec amour, avec fraternité, avec amitié, avec joie. Et je crois que cet accueil très, très algérien a été très, très mal perçu à Alger par certaines autorités politiques qui ont demandé le lendemain matin, à 9h du matin, à 50 policiers, de m'expulser de Insaleh. Et on m'a dit très clairement,
vous êtes interdit dans la wilaya de Tamarafat. Alors moi j'ai répondu très sèchement au commissaire qui s'est exprimé de cette façon. Je lui ai dit, Tamarafat n'est ni à ton père, ni à ta mère. Tamarafat appartient à tous les Algériens. Insalah, vous voulez dire Insalah? Oui, tout à fait, mais c'est la wilaya de Tamarafat. Ah oui, ah d'accord, très bien. Mais Rachid Nekez, en effet, vous avez été accueilli vraiment en triomphe, ainsi que Souyane Gilel et d'ailleurs et sa délégation. Mais sinon, vous qui êtes généralement très pointueux pour ce qui est de la loi, vous alignez généralement par rapport au droit, pourquoi n'avez-vous pas porté plainte contre cette expulsion? Parce que personne ne peut expulser quelqu'un de son propre pays. Vous savez, j'ai appris, à travers mes études d'histoire et de philosophie, à être très calme, à ne pas me précipiter. C'est la première fois que les autorités algériennes font une erreur sur le plan de la non-application du droit. Quand j'avais fait la marche entre Khan Islam et Alger entre le 1er novembre et le 28 novembre, on arguait de l'article 100 du code pénal algérien qui dit qu'on n'a pas le droit d'arroguer les foules ou de se rassembler au-delà de deux personnes. Et donc, fort de cet article 100 du code pénal algérien, on s'est permis de m'arrêter à 5 reprises pendant cette marche de Khan Islam à Alger. Cette fois-ci, le droit n'a pas du tout été utilisé pour m'expulser. C'était totalement arbitraire. Donc c'est la première erreur. Et bien sûr, je me réserve le droit dans les semaines à venir de porter plainte ou pas. Cela dépendra de la marche que je vais entamer dans Al-Salah à Alger à partir du 21 mars prochain, contre Total, contre le gaz de schiste et pour l'unité nationale, Inch'Allah. Donc, soyons patients et le plus beau reste à voir, Inch'Allah. Rachid Nekez, cette marche que vous organisez, pourquoi ne pas la faire coïncider avec le 14 mars, journée à laquelle vont participer des villes du Sahara contre le gaz de schiste? À vrai dire, la date du 21 mars a déjà été définie il y a plus d'un mois déjà, donc je suis déjà en contact avec des comités de soutien donc à Ain Salah. L'idée du 21 mars, c'est vraiment qu'il y ait un véritable printemps pacifique algérien, car je crois qu'aujourd'hui, il est temps que notre pays trace, j'aimerais dire, une ligne par rapport à son passé tortué. Et je crois qu'il est bien de donner enfin de l'espoir au peuple algérien avec toutes celles et ceux qui veulent vraiment un changement pacifique, comme Sofiane Djilali, comme M. Mohsin Balabas du RCD ou d'autres hommes politiques qui représentent la nouvelle génération d'hommes politiques algériens et qui veulent un changement en Algérie pacifique, sans violence. Parce qu'à chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose dans son pays, à chaque fois on nous dit « Mais attention, vous êtes en train de faire de la fitna, regardez ce qui se passe en Libye, en Syrie, etc. » Je crois que c'est bon. Je crois que le chevalier Saouda, elle est passée, la décennie noire est passée, et que le peuple algérien, notamment la jeunesse algérienne, mérite un véritable changement avec une nouvelle génération de femmes et d'hommes politiques à la tête de ce pays pour enfin construire un avenir ensemble. Et pour cela, je crois que Ain Salah va être déterminant. Le fait que 50 000 personnes dans ce pays ont décidé de dire non aux multinationales, non à certaines autorités qui sont de près ou de loin mêlées à ces multinationales, je crois que ça représente un formidable espoir, car il ne faut pas l'oublier. La question de Ain Salah ne concerne pas simplement Ain Salah, la question de Ain Salah concerne le pays tout entier. L'eau de Ain Salah, elle est bue dans les 48 wilayas. Restez avec nous, Rachid Nekez. Soufiane Gilali. Après l'initiative du 24 février, la CLTD ne donne plus signe de vie. Doit-on comprendre qu'il n'y a pas, que l'enthousiasme, souviens, n'est plus avec nous, me dit-on. On essaiera de le joindre de nouveau. Rachid Nekez, lorsque j'ai annoncé sur ma page Facebook tout à l'heure que je vous recevais dans cette émission, on m'a demandé, certains m'ont écrit sur ma messagerie personnelle pour me demander de vous poser quelques questions. Vous savez que vous êtes très admiré des jeunes Algériens. Néanmoins, on vous reproche certaines fautes politiques. J'aimerais vous les signaler et à vous de répondre. On vous reproche d'avoir appelé à soutenir les manifestations de la police, alors que
ces manifestations de la police étaient un coup monté d'un clan du régime contre un autre clan du régime. On vous reproche d'avoir dit que vous accepteriez que Bouteflika soit président d'honneur. On vous reproche de dire que Haddad est après tout un homme d'affaires honorable. Et on vous reproche d'avoir dit que vous ne diriez pas non si on vous demandait de participer au gouvernement. La parole est à vous. Par rapport à la quatrième question, je n'ai jamais dit que j'étais prêt à accepter un poste de ministre. Au contraire, j'ai dit qu'il est hors de question d'accepter un poste de ministre. Pour le deuxième argument concernant M. Ali Haddad, oui. Vous savez, je suis moi-même chef d'entreprise et je crois que c'est par les chefs d'entreprise que ce pays va se relever. Mais ça dépend comment les chefs d'entreprise ont acquis leur fortune, M. Henniquez. Écoutez, vous savez, ne nous prêchons pas. Moi, j'ai aucune preuve par rapport à l'origine des fortunes de M. Haddad ou M. Rabram. Je ne suis pas en fonction et je n'ai pas les éléments qui me permettent de déterminer si oui ou non ces personnes ont des fortunes, entre guillemets. Et donc, il ne faut pas dire qu'il est honorable ou qu'il n'est pas honorable. Il faut réserver son jugement. J'ai pas dit qu'il était honorable. J'ai dit que si l'ambition de M. Haddad était de construire une véritable économie de production, je serais le premier à le soutenir. Et je maintiens ma position. Et votre appel pour marcher avec la police? J'y arrive. Oui, je maintiens mon appel pour soutenir les forces de l'ordre algériennes. Car la police algérienne, c'est une institution républicaine. Et il ne faut pas mélanger police avec les donneurs d'ordre. Ce qui pose problème aujourd'hui en Algérie, ce n'est pas la police, c'est l'ordre politique qui est donné à la police pour réprimer tel ou tel élément, telle ou telle manifestation. Oui, mais la police algérienne... C'est le politique, le problème. La police algérienne anti-émeute, elle y va un peu fort quand ils vont traiter les gens de Ain Salah de salle noire, des gens qui viennent du Mali, etc. On ne soutient pas des soudards de cette nature, je crois. J'ai été très clair là-dessus. J'ai été interviewé donc, lors des missions de Delbilet. J'ai dit que je n'accepterai jamais toute forme de racisme à l'égard des Algériens du Sud. Jamais, jamais, jamais. Il est vrai qu'il y a eu 3 ou 4 éléments des forces de l'ordre qui ont été auteurs donc, de propos, j'aimerais dire, racistes, et cela est inacceptable. Rachid Dekas, je vais revenir à vous dans un petit instant. Nous allons prendre Souyane Gilali par souci d'équité. Souyane Gilali, je vous avais posé une question, mais nous vous avions perdu, donc on vient de vous joindre de nouveau. La CLTD, depuis qu'elle a lancé cette initiative du 24 février, on n'entend plus parler d'elle. C'est quoi ce silence? Ben écoutez, nous sommes partis quand même au nom de la CLTD avec les représentants de différents partis. Il est vrai que les présidents, tous les présidents de partis ne pouvaient pas être parmi nous, chacun pour sa raison. Mais l'essentiel est que la CLTD continue à travailler le plus normalement possible. Je vous rappelle que nous avons en perspective la réunion d'un congrès, d'un conclave plus exactement, où nous allons débattre de dossiers très importants. Il faut revoir la composition même de l'opposition, essentiellement dans l'instance de consultation, peut-être revoir les mécanismes de fonctionnement, et en tout cas se donner de nouveaux objectifs. Il faut aujourd'hui que l'opposition prenne plus de force, plus de couleur, qu'elle ait plus d'audace et qu'elle intègre plus de monde. J'en profite pour remercier déjà M. Henniquez pour tout ce qu'il fait. Il contribue beaucoup au travail de l'opposition et j'espère qu'il pourra être avec nous aussi pour constituer ce nouveau pôle, pour donner de l'espoir pour le lendemain. Et non pas être simplement dans une opposition nihiliste ou destructrice, ou alors une pseudo-opposition de salon. Il faut pouvoir être au bon endroit, au bon moment. Justement, à propos de bon endroit et de bon moment, est-ce que la CLTD sera à Ouargla le 14 mars? C'est en étant à Ain Salah que j'ai appris que les organisateurs du mouvement anti-gaz de schiste étaient en train de préparer et que la préparation était très avancée pour la manifestation du 14. Personnellement, je me suis engagé à ce que le parti soit présent.
Je dois rencontrer les responsables des autres partis de la CLTD sous peu et on prendra une décision pour l'ensemble de la CLTD. Mais il est évident que l'opposition doit se mettre aux côtés de la population. C'est de notre devoir, c'est une obligation morale pour nous. Donc, personnellement, j'accomplirai ce devoir. Mais Sofiane Gilali, pour vous parler franchement, c'est mon sentiment personnel hein, que j'exprime là. Moi, j'ai l'impression que la CLTD est trop molle. Ça veut dire par rapport aux enjeux, je me permets hein, ce jugement, nous sommes entre Algériens, nous pouvons nous permettre d'échanger nos opinions. Par rapport aux enjeux, par rapport à la gravité de l'heure, par rapport à tout ce qui se passe, là, on a l'impression que la CLTD fait de la politique politicienne. Elle ne va pas au charbon, elle ne se décide pas à descendre dans la rue à chaque fois que c'est nécessaire. Je pense que vous êtes très dur avec l'opposition. Je vous rappelle le 24 février, ça ne fait pas. Oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Oui. L'essentiel, c'est que nous étions dans la rue, nous avions affronté les forces de l'ordre. C'est vrai. Nous avons. Oui. C'est vrai, Sofiane Gilali. Mais est-ce qu'il faut dormir sur ses lauriers et dire nous avons non, fait le 24 février Non, absolument pas. D'ailleurs, vous avez bien vu que nous avions prolongé cette action en allant sur place, en soutenant nos concitoyens de Ain Salah. Non, mais parle de la CLTD, pas de Gilles Jadid. Oui, j'ai compris. Maintenant, il faut comprendre que chacun met le curseur à un niveau différent de l'autre. N'oubliez pas qu'il y a une pression psychologique, que les gens ont peur, y compris des simples citoyens. Et il ne faut surtout pas qu'ils aient l'impression que l'opposition est prête à tout, prête à en découdre, prête à mettre le feu dans le pays. Donc il faut aller graduellement pour que psychologiquement les gens soient prêts à une forme de lutte qui soit un peu plus peut-être virile, j'allais dire, mais sans qu'il n'y ait de dérapage ou de remise en cause de l'ordre en général. Les gens ne veulent surtout pas revenir aux années 90. Ils ne veulent pas tomber dans le piège libyen ou syrien et personne n'assumera ça, y compris l'opposition. Nous avons les moyens maintenant de mettre sous pression le pouvoir pour l'amener petit à petit à faire des concessions essentielles, des concessions non pas pour l'opposition mais des concessions pour le pays. Il faut qu'on construise la Deuxième République, il faut qu'on mette en place les mécanismes de règles de droit, il faut que la démocratie s'instaure. Et ça, il n'est pas toujours facile de l'obtenir et la violence ne mène pas souvent aux objectifs voulus. Mais je vous assure que nous prenons sur notre responsabilité beaucoup d'actions. Nous essayons de mettre en avant, si vous voulez, la présence sur le terrain, mais nous avons nos propres limites aussi. Simplement, oui. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le relais commence à prendre, que les gens, les citoyens commencent à se mobiliser et il y a maintenant une prise de conscience très importante. La prise de conscience dans le Sud est extraordinaire. Les gens savent très bien ce qui se passe, analysent très bien la situation et c'est ça qui inaugure une nouvelle ère, j'espère, et qui augure aussi d'un nouvel espoir. Sofiane Gilali, vous allez donc participer à cette manifestation du 14 mars à Ouargla. Mais qu'est-ce que vous diriez de cette initiative de Rachid Nkez qui aura lieu le 21 du même mois? Est-ce que vous allez le rejoindre? Est-ce que vous allez lui en parler? M. Rachid Nkez m'a fait l'honneur de partager avec moi cette idée depuis maintenant peut-être un mois et demi. Il avait lancé l'idée de faire une marche à partir d'Ain Salah, puis dernièrement je crois qu'il voulait plutôt la faire à partir d'Alger. Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'au bout de cette initiative ou plutôt essayer de rejoindre nos amis qui travaillent sur le terrain pour le 14 de ce mois. J'espère que je pourrai rencontrer Ferrachid et discuter de l'opportunité de la chose. Merci. Mais croyez-moi que je suis prêt à aller le plus loin possible dans un cadre pacifique, bien entendu. Merci. Merci, Sofiane Gilali. Rachid Nkez, il nous reste environ 3 minutes. Est-ce que vous allez participer
à la manifestation du 14 mars avant la vôtre. Est-ce que vous allez y participer? Vous savez, contrairement à ce que pensent certaines personnes, je n'ai jamais été dans une démarche solitaire. Donc oui, je vais participer à cette journée d'action du 14 mars. Ça va se passer à Paris en lançant le début du boycott des stations-service de Total, qui, comme nous le savons, est la multinationale qui contrôle 49% du gaz de schiste en Algérie, notamment dans la région de Ain Salah. Donc en solidarité avec nos compatriotes de Ain Salah, donc je vais lancer ce boycott des stations de service. Et vous pensez avoir des résultats? D'abord, Total a démenti être d'une quelque façon dans le gaz de schiste en Algérie, l'a démenti officiellement. Et ensuite, même si c'était le cas, vous pensez que votre appel au boycott pourrait être suivi en France? Premièrement, Total ment. Total est toujours opérateur dans la région de Ain Salah. Et ça vient d'un contrat qui a été signé avec la Sonatrach le 22 décembre 2009. Et dans ce contrat de 2009, il était prévu qu'en 2015, Total exploite 4 milliards de mètres cubes de gaz de schiste. Donc je vous le dis, et je le répète, le groupe Total ment. Juste pour que vous sachiez, la capitalisation boursière du groupe Total, c'est 108 milliards d'euros, c'est-à-dire deux fois plus que la totalité des exportations de l'Algérie. Donc c'est Total qui fait pression au travers de la France sur le gouvernement algérien pour exploiter le gaz de schiste. Et je rappelle qu'en France, le gaz de schiste est interdit. Oui. Donc oui, je crois qu'une action comme celle du boycott des stations-service Total en France va avoir un effet à moyen terme qui est sûr, car ça va peser sur l'image du groupe Total auprès de l'opinion publique française et auprès des actionnaires de Total. Moi, je connais parfaitement l'opinion publique française et je connais parfaitement les Merci. Opérateurs financiers. Croyez-moi que sur le moyen terme, Total va en souffrir. Merci Rachid Nekez. Nous ne manquerons pas de vous inviter de nouveau pour en parler, pour voir où vous en êtes. Cette émission est donc terminée. Merci à Rachid Nekez. Merci à Sofiane Gilali. Salam alaikum, qawala khair, salama.